Heureux d'être là déjà. Évidemment, une petite boule au ventre, comme tout compétiteur. L'envie de faire bien, l'envie que ça se passe bien. Mais pour ça, on va s'appliquer. Donc, le sentiment qui domine, c'est le plaisir d'être là et de partager ça avec tous ceux qui sont venus. Et c'est un vieux rêve que je réalise, donc je suis content. Je serai fier quand je serai en Guadeloupe. Le plus dur reste à faire. Donc, pour l'instant, juste content, le plaisir de partager ça avec mes proches, ma famille. Et puis la fierté, ce sera pour à la fois célébrer une bonne place et l'arrivée en Guadeloupe. Alors clairement, mon bateau n'est pas le plus rapide, c'est un bateau d'ancienne génération. Pourtant, je vais cravacher, je vais essayer de faire le du mieux possible. Et si mon bateau arrive à accrocher une des 15 premières places, je serai véritablement heureux. Oui, il faut tout donner, mais pas tout donner en une fois ou sur deux jours. Tout donner sur la petite dizaine de jours, j'espère moins, pour rallier Lanzarote. Et la petite vingtaine, un peu moins, j'espère encore, pour rallier la Guadeloupe. Donc c'est, je pars là avec l'idée que ça sera long et il faudra faire une performance pendant un mois. Mais voilà, la pression, les compétiteurs, ils l'ont à la gérer. Tout le monde ici a à gérer une pression. Moi, certainement, une petite pression supplémentaire. Mais ça ne m'empêche pas de faire ce qu'il y a à faire. Et puis, j'espère juste être à la hauteur des espoirs qui ont été portés sur mes épaules. Voilà.